parti. Allez, c'est parti pour la finale. Et le All Shot, il vient goler. Là. Le All Shot pour Vivien Goler. Il va voir Sylvain Damer. Allez, voilà, là c'est bon, donc on a inversé les rôles. Et là on va voir un petit peu. Oh, le départ, ils se sont touchés. Ils se sont touchés, Vivien Gonnet, Maxime Emery. C'est lui qui est. Non, il est plus là, Maxime. Attends, Vivien Gonnet. Si, il est deuxième, c'est bon. Ah, il y a une chute, Non, c'est bon. Oui, attends, je vais essayer de trouver qui c'est qui est tombé. C'est peut-être Jonathan Guenzi qui est tombé. On va voir. Enfin, pas de bobo, tout le monde est reparti. Non, c'est bon, ça, c'est l'essentiel déjà, première chose. Alors, premier tour normalement. Non, c'est Randy Pérezon. Ils étaient deux. Allez, Vivien Gonnet, Maxime Emery, Sylvain Dabert. Germain Masson, et derrière Romain Gioffre. Je crois que c'est Romain Gioffre qui est là. Voilà, l'homme de la situation, Vivien Gonnet, ensuite Maxime Emery, Sylvain Dabert, voilà Germain Vesto, voilà Romain Gioffre, ensuite on a Maxime Lacour, me semble-t-il, venu de la deuxième ligne, qui est sur la sixième place, ensuite Étienne Parseillant, Grégoire Martinez, super huitième, Sébastien Malat, neuvième, Noël Duvert, dixième, et Yann Gras, ensuite Vivien Dabert, qui est pas trop mal parti, alors qu'il partait de très loin, et ensuite on retrouve Langlois, Torel, Mali, Juan Chang, qui a complètement raté son départ, Negrillo, Guenzi et Pérezon, qui est tombé dans le premier virage. Allez, Vivien Gonnet, dis donc, il est chaud bouillant. Hein, ouais, regarde là à l'intérieur, propre sur la glace, derrière ça glisse. Sylvain, la montée, ça va passer. Non. Oh là là, ça se recroise. Et Zorn hier là. Ah, Sylvain, il est vite. Hein. Alors, par contre, la compression. Comment il fait là, Germain? Et Vivien, surtout dans la compression, là, je sais pas comment il fait. Les trois là-bas sont vraiment détachés. Après, il y a un gouffre. Hein. Alors, déjà, au bout de deux tours, record du tour pour l'instant, Sylvain Dabert, 44. Allez, Sylvain qui attaque à l'extérieur. Non, ça va pas passer. Attention, là c'est le général qui joue. Hein. Et surveillez la moto numéro 4, la chasuble bleu jaune de Vivien Gonnet. Il est déchaîné. Alors est-ce qu'il va tenir? Et Maxime Emery qui revient là. On dirait que tout à l'heure il a un gardien. Il est pas loin en freinage, il est. Ouais, Maxime. Le freinage au Maxime. Il est revenu dans les roues. Il va peut-être passer l'extérieur pour accélérer la motricité de Luxe Verlin maintenant. Les deux Luxe Verlin en bagarre. Numéro 4 pour Vivien Gonnet, numéro 11 pour Maxime Emery. Toujours devant. Oh, ils sont chauds, hein. Moi ici, là, mon cœur s'arrête là, à chaque fois. Bon. Là, ça, c'est bon. Mon cœur s'arrête de battre à chaque fois. Alors, pour l'instant, Vivien Gonnet, Maxime Emery, Sylvain Dabert, Germain Masson, Romain Gioffre, Maxime Lacour, Étienne Parseillant, Grégoire Martinez, Vivien Dabert et Sébastien. Voilà les 10. Oh là là, ils sont roue dans roue, les trois, là. Alors là, ça va être chaud, les enfants. Allez, on les encourage. Le freinage, le freinage à l'épingle en bout, ils sont roue dans roue, quelques dixièmes d'écart entre les trois premiers de cette super finale avec Vivien Gonnet, toujours attention, le freinage de Maxime Emery, il va tenter l'extérieur, il va aller taper dans le mur extérieur pour se dédoubler pendant l'accélération, il va doubler Maxime Emery, il est plus vite. Les ornières l'ont ralenti un petit peu, mais non, il n'est pas passé. Ils sont chauds, hein. Vivien Gonnet, Maxime Emery et Sylvain Dabert, pour l'instant ça n'a pas changé, les écarts entre les pilotes, 3 dixièmes entre Vivien Gonnet et Maxime Emery, magnifique. Et 9 dixièmes entre Vivien Gonnet et Sylvain Dabert. Ouais, magnifique, quel spectacle les trois là. Record du tour, Maxime Emery, 44-1. Il est plus vite Maxime Emery, attention. On le voit dans la descente, là partira la chasse de Vivien Gonnet qui se détache une nouvelle fois. Mais les freinages de Maxime Emery là-bas dans l'épingle, c'est extraordinaire. Il freine 10 mètres plus tard que ses petits copains. Regarde le freinage de Maxime là, regarde où il freine 10 mètres plus tard que les autres. Si c'est vraiment la bonne. Il a perdu un petit peu de terrain, il a monté dans les ornières là. Là c'est impressionnant. Il perd l'arrière, il gauche. Et il est là toujours, Vivien Gonnet en tête. Maxime Emery, Sylvain Dabert qui a du mal à suivre. Là je crois que ça va être compliqué. C'est Maxime va attaquer là en freinage. On est passé à mi-course. Regarde, il attaque. Hop là, l'intérieur, il est passé. Propre. Il est passé, Maxime Emery qui réussit à doubler Vivien Gonnet. Il est déchaîné, Maxime Emery, et il passe en tête. Le pilote breton est en tête de cette super finale devant le pilote de Briançon. La bagarre est terrible entre le premier et le deuxième et le troisième. Regarde les autres, on les voit plus. Ils sont à 12 secondes. 12 secondes, c'est pas énorme. Maxime Emery, record du tour, qui a réussi à prendre la tête. Le freinage de Maxime, c'est. Gonnet qui tombe. Gonnet qui tombe, Sylvain Dabert qui passe. Il a le temps de remonter. Allez, vite. Oh là là, il y a un problème, je crois. Il y a un problème. Il est reparti.
Voilà, ben on a le... Maxime Emery, Sylvain Dabert, les deux premiers. Il est reparti. Vivien Gonnet, ouais, voilà. Voilà Vivien Gonnet. Ouais. Il a perdu l'avant. Ouais, il a perdu Allez, l'avant maintenant il faut assurer, c'est le podium. Là, on a le podium. Il a perdu voilà. L'avant, il se retrouve à 7 secondes. Ça va être compliqué pour le pilote de Briançon. Ouais. Ensuite, on retrouve Germain Weston à 14 secondes. Énorme. La cour à 19. Énorme. Romain Joffre et Étienne Parseillin à 21. On n'a jamais vu ça. Des extraterrestres, là. Ouais. On n'a jamais vu des écarts aussi énormes dans la MP Cup cette saison. Magnifique. Je vous rappelle quand même que la première course de la saison s'est terminée avec 22 millièmes d'écart entre le premier et le deuxième. Là, c'est 22 secondes, c'est énorme. Allez, Maxime, il est où? Mais il va pas tarder à arriver. Hein. Et là, il va prendre des tours. Alors attention, hein, s'il vous plaît. Les pilotes, il est où? Oui, il est là. Il est là. Et Sylvain est pas loin. Hein. L'ex-Vernin numéro 11 devant la KTM numéro 37. Là, c'est celui qui va doubler le plus facilement tout le monde. Et Vivien Gonnet qui arrive maintenant. Il a perdu un petit peu de terrain. Vivien Gonnet, attention, il y a du monde dans l'ornière là qui gêne. Maxime. C'est bien, tu as vu Romain Torres qui est retourné. C'est bon, il s'enlève, attention. Ça klaxonne là. C'est bon. Ça klaxonne. Oui, ça c'est bon, c'est passé. Mais... Regarde. Sylvain Nap. Oh là là. Non, c'est bon. Petite touchette avec Jonathan Genzi là dans la descente. Allez, Maxime. Ça n'a pas gêné personne. Attention à l'avant. Ouais, l'avant. Ouais, il est pas loin, hein, Sylvain. Il gaffe, oui, parce mais bon, il reste deux tours. Maxime Emery assure. Maxime Emery prend son temps. Maxime Emery cherche ses trajectoires, les choisit. Alors que derrière, Sylvain Dabert essaye par tous les moyens de revenir et de passer à l'attaque. Vous voyez, la KTM numéro 37 qui cherche à revenir. Oh là là, le freinage. Allez, Maxime, les deux à la fois là. Hop. Non, ça passe pas. Attention là. Le freinage à l'intérieur, c'est gaffe, regarde, c'est Van Valchang, c'est bon. Il s'est écarté, il a vu qu'il arrivait derrière, il a laissé passer, et Maxime Emery est en train... Maxime, il est là, ouais, c'est bon. Maxime Emery est en train de s'échapper pour cette victoire, nous sommes à un tour plus l'arrivée. Ouais, Sylvain a perdu, Sylvain a perdu beaucoup de temps là, il n'a pas pu doubler dans la descente, c'est bon. Eh bien oui, il n'a pas pu doubler dans la descente, et ça sera compliqué sur les deux derniers tours qui suivent. Allez, le dernier tour. Et pendant ça, là, nous, on va faire la fête pour Maxime Emery. On va l'applaudir, on va lever les bras parce qu'il a fait une course sensationnelle. Le pilote de numéro 11, le voilà, il passe devant vous, Maxime Emery. Oh, Sylvain, pareil, à l'équerre partout. Mais il revient. Il revient, attention, il a une seconde 6. Il est tombé, Sylvain. C'est bon, il n'y a pas d'abord à tomber, non, il n'y a rien du tout, il va repartir, mais Vivien Gonnet va repasser. Vivien Gonnet va repartir ensemble. Sylvain Dabert et Vivien Gonnet, le sprint pour la deuxième et troisième place va être terrible. Il est où le feu jaune? À l'avantage de... Ah non, il est pas reparti, Sylvain. T'es sûr? Non, regarde le feu, il est là-haut. Ah oui, voilà. Ouais, mais bon, voilà, quatrième. Regarde Maxime Emery. Ouais. Il va finir par Bravo. Maxime Emery. Allez, qui va être applaudi par le lance en Vercors et qui gagne. Génial. Maxime Emery qui remporte. On aurait pu lui faire un tour d'honneur à Emery quand même. Maxime Emery qui remporte cette super finale, qui prend la tête de la MV Cup. Deuxième place Vivien pour Vivien Gonnet. Troisième place pour Sylvain Dabert. On attend qu'il termine. Sylvain Dabert, attention parce que Vincent était pas loin. Oui, Sylvain Dabert devant Weston, voilà. On se retrouve tout de suite du côté du podium pour accueillir ces grands vainqueurs de la MV Cup pour la super finale. A tout de suite, José. Oui.